C'est la chaîne Dadidou. Bienvenue sur les infos de la chaîne DDD. Je vais, notre bien-aimé roi Dadidou, veut vous faire passer une information. À vous, monsieur Dadidou, à vous le tour. Dites ce que vous voulez dire. Notre bien-aimé roi Dadidou, venez donc, qu'avez-vous à nous dire? J'organise un grand tournoi pour les 20 ans de ma tyrannie. Le vainqueur sera couronné le grand dictateur. Mais ce sera moi, bien sûr, puisque je suis le roi quand même. C'est la fin de notre journal télévisé. Merci, monsieur le roi Dadidou, pour ces informations précieuses. Et merci surtout de regarder la chaîne DDD. En apprenant cela, sans plus attendre, Kirby partit défier le roi Dadidou avec beaucoup d'autres prétendants au titre de grand dictateur, dont la plupart étaient bien sûr des monstres invoqués par le roi Dadidou, du genre Knuckleger, le bon cœur, Kung Fua, qui ressemble d'ailleurs à un gros chien, et beaucoup d'autres. Mais Kirby était bien décidé à détrôner le roi Dadidou. Enfin, Kirby partit affronter son premier concurrent, Bonker le grand singe aux noix de coco. Alors, c'est là qu'il habite. Je fais penser à la fois de Whispy Woose. Il faut que je me dépêche d'y aller, sinon... Hello, Scrappy-chan. Oups, une crème. Ça va me donner une création, j'en suis sûre. Ou pas. Oh, pardon, moi, t'en dis, mais j'avais besoin de ça pour passer. Moi j'aime bien la viande, c'est très nourrissant, je trouve. Bon bah, attendez, j'y suis presque là. Voilà, j'y suis. Le problème c'est que j'ai pas de dents, j'espère que je vais y arriver. Youps. Oh bon. Écrabouille marteau. Ah, c'est comme Dadidou mais en plus mobile. Nya 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 nya. Moi je l'ai, je suis le plus fort. Boum badaboum, bon cœur. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Ouais, j'ai bientôt battu bon cœur. Il fait mal. Je l'ai eu. Hammer Kirby. J'ai déjà battu le premier. Je vais continuer. Il y a traversé. Youpi. La prochaine étape pour Kirby était Kung Fua, qui est dans la jungle. Comme un autochtone. Hein? Autochtone. Ah. Ouh là là, je doute que mon don marteau ait quelque chose d'intéressant. Oh là là. Ah.
Oui. Mille millions de mille poyaux, j'arrive pas à le vaincre. Ouf, ouf. Génial. Kirby combat. En avant. En avant contre le roi d'Adidou. J'y arriverai, Poyo de Poyo. Prends ça. Oui. Ça fait mal. Tiens, prends. Prends. Ah. Ouch. Pat. Aïe. Ma gueule. Kirby se transforme. Il est devenu Kirby épée tonnerre. Gare à toi, Dadidou. Aïe, 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 t'es le plus fort. Je me rends. Dadidou, pourquoi tu cherchais à faire ce combat? Je doute bien que, que ce n'est pas pour de bonnes causes. Tu es pour me débarrasser de toi, à ton avis. Je m'en doutais un peu quand même aussi. Dadidou, où est mon prix? J'ai gagné. Tiens, dans le coffre. Ouais. De la nourriture? Chouette! Merci, Dadidou. Et c'est ainsi que Kirby devint et découvrit le nouveau don épée tonnerre, vainquit Dadidou et récupéra une délicieuse cuisse de poulet qu'il dévora en 2 secondes. Mais une question reste encore. D'où vient ce mystérieux don épée tonnerre? Le saura-t-on un jour?